Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous propose une vidéo montage parce que sinon, je pense que ce serait un petit peu trop long du nettoyage de ma voiture. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma voiture après plusieurs mois de confinement. Elle ne sert que très très peu. J'utilise principalement la voiture, une autre voiture. Donc celle-ci stagne dans le jardin et elle est dans un vraiment piteux état. Donc je voulais partager avec vous ce nettoyage, sachant que j'ai des grosses problématiques. Je vais vous montrer. Alors voilà, j'ai préparé les accessoires dont j'ai besoin pour faire mes nettoyages et je vous montre un petit peu les différentes parties que je vais faire, entre autres, hein, puisque l'objectif c'est de faire toute la voiture. Donc là ici, toute la partie haillon qui a verdi, j'ai un peu honte même de vous montrer tout ça, et l'intérieur surtout, voyez ici, où en fait par manque d'aération, je pense, j'ai du moisi qui s'est installé à l'intérieur de ma voiture. Et en termes de moisi, j'ai également sur les sièges arrière de la voiture, regardez un petit peu, c'est vraiment la catastrophe, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, le résultat est là, donc je vais bien sûr m'attaquer également aux enjoliveurs, voilà, et puis aussi à toutes les mousses, toutes les saletés qui sont installées au niveau des portières, et puis grâce bien sûr à mon Vapodil qui est en train de chauffer, et je vais pouvoir aussi sur les parties ici au niveau du pare-brise, pouvoir avoir un résultat impeccable et sur la carrosserie également, puisque vous voyez, il y a plein de petites choses qui sont venues se positionner et qui n'ont pas bougé depuis plusieurs mois. Donc on va y aller. Deux secondes. C'est beau. Voilà. Je m'y très bien. Je vais normalement dans les petits endroits. On va commencer vite avec le pistolet. On a pris une microfibre. Une vieille microfibre. Thank you.